Olingi oyeba makamboya politique, musique, culture, fait des sociétés, topé sport, kaka na magazine na bino Radio Top News. Radio Top News, magazine oyo kopesa bino ba information ya République démocratique du Congo pe ya mokili. Bana poto, bana mokili mobimba. Olingi ozala informé, formé, topé kozala diverti. Magazine ezakaka moko Radio Top News. Du lundi au samedi, à partir il y a 19h, Kaka na chaîne Moko. Magazine Radio Top News. Kaka na chaîne Moko Radio TV. Et pas la boss Emmanuel Ndiaye. Avec vos servantes, Joël Akati et Nana Matondo Mekutu. Radio TV, pour vous informer. Bana poto bana mokili mobimba mbote na bino nazali nesengo makasi ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba etando ike na bino pona kolanda magazine na bino Radio Top News oyo kobanda koleka na chaîne na bino obolingaka makasi Radio TV ya boss Emmanuel Djanga boyeba ete ezali premier numéro magazine Top News eza na pona ko informer former pe ko divertir bino te na yango nazo senga bino bo continue toujours kolanda biso to Lemba kolanda biso te parce que toza na po na ko servir bino. Fongola magazine na biso na primature ya République démocratique du Congo et pa yo pu premier ministre Sama Lukonde ayebaki na ko rassurer ba député ya Nord Kivu, Sud Kivu, pe Ituri na oyo etali sécurité. Reportage pe commentaire na Nami Kuntima na Shurak Lupasa. Oyo bozali komona ezali je Nintendo te kasi masasi ya solo na yango kimia ezali bongo priorité ya liboso na gouvernement Sama Lukonde azali kosala bongo makasi na ba force vive pe politique ya mboka pona ko garantir ba congolais nyoso ba droit constitutionnel elongo na ba élu national ya Ituri premier ministre azo konté bongo na concours na bango pona ko soulager ba calvaire oyo ba congolais bazali ko vivre na quotidien na parti ya territoire national. Merci puisque dans son programme du gouvernement il a fait la sécurité comme un secteur prioritaire. Et pour nous, dans toutes nos différentes recommandations ou demandes, soit auprès du président de la République, auprès des anciens premiers ministres, auprès des ministres de l'Intérieur ou auprès des ministres de la Défense nationale et anciens combattants, c'est-à-dire auprès de toutes les instances du pays, notre priorité c'est la paix et la sécurité en Ituri. Ya ba député nationaux ya Nord Kivu pe bazali bongo komitungisa pona situation ya insécurité oyo ezali na province na bango. C'est plus de 25 ans que nous sommes sous la guerre. Donc des enfants qui sont nés là-dedans ont grandi, sont devenus majeurs toujours sous la guerre. Et ce matin, nous avons essentiellement épinglé les causes de cette guerre-là et qui sont les mandataires de cette guerre-là. Nous avons été très contents puisque avec les échanges qu'on a eu avec lui, nous avons trouvé quelques pistes. Comment il faudra le faire pour éradiquer cette guerre-là ou cette insécurité qui sévit dans notre territoire depuis tous ces temps-là. Loko la pe baninga na bango ya Nord Kivu, ba ponami ya Sud Kivu, bango pe balobeli premier ministre, préoccupation na bango na oyo etali en sécurité oyo ezo salema na province na bango. Délégation ya ba ponami yango ba sepele ki bongo na volonté ya chef ya gouvernement pona ko enserre na programme na ye ya action oyo etali sécurité. Délégation ya ba ponami yango ba sepele bongo na volonté ya chef ya gouvernement pona ko enserre na programme na ye ya action oyo etali sécurité. Biso magazine poisa to pesi longo nya na chef ya gouvernement na musala malamu oyo azo sala. Totika primature ya République démocratique du Congo, tokita bongo na Congo central, plus précisément na gouvernora, et pa yiwa pi toke yiko yoka message ya son excellence Atuma Tubwana Nkuluki na likambu etali fête de travail. Chers compatriotes, le monde entier célèbre en ce jour du 1er mai la journée internationale du travail. Et pour cette année, le thème retenu est « Promouvoir l'emploi et le travail décent dans un monde en mutation ». Cette journée
a été établi en mémoire de la grande mobilisation des travailleurs de Chicago aux États-Unis en 1986 pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Comme pour l'année passée, la célébration de cette journée intervient dans un contexte de COVID-19 avec sa deuxième vague, un véritable défi auquel sont confrontés actuellement les travailleurs à travers le monde. La République démocratique du Congo, notre pays, en l'instar d'autres pays du monde, a été touchée par cette pandémie dont les effets ont impacté sur son tissu économique, entraînant ainsi la réduction de l'activité dans presque tous les segments de la vie socio-économique du pays et principalement les secteurs de l'emploi. Pendant cette période de COVID-19, plusieurs entreprises et unités économiques ont connu une cessation d'activité et ont mis en congé technique leurs employés. D'autres, par ailleurs, ont fait usage de licenciements économiques pour atténuer les effets sur leur trésorerie. La pandémie de COVID-19 a profondément déstabilisé les marchés du travail dans notre pays. C'est ici l'occasion de saluer les efforts fournis par le gouvernement de la République sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers le programme multisectoriel d'urgence et d'atténuation des impacts de la COVID-19 en RDC pour freiner l'élan dévastateur de cette pandémie, assurer la relance de l'activité économique et sécuriser le pouvoir d'achat des travailleurs. La création d'emplois est un pilier essentiel dans le programme quinquennal du gouvernement provincial du Congo central, dans la mesure où elle contribue à promouvoir la stabilité économique et sociale dans la province. La politique de l'exécutif provincial dans ce secteur s'appuie sur trois volets. Protéger les emplois existants au niveau de la province, promouvoir les possibilités d'emploi au niveau local et contribuer à la création d'emplois durables et au travail décent. Chers compatriotes, la question liée à la promotion du secteur de l'emploi et du travail en RDC mérite une attention particulière et nécessite une synergie d'action dans toutes les parties prenantes. État, employés, employeurs, syndicalistes, etc. La politique à mettre en œuvre dans ce secteur devra concourir essentiellement à la protection et à la création de l'emploi et l'amélioration des conditions des travailleurs. C'est ici l'occasion de procéder à un examen critique des mesures prises dans ce secteur d'activité afin d'évaluer l'efficacité des actions menées à ce jour et d'examiner les choix pour l'avenir. J'invite donc tous les travailleurs du Congo central à participer activement à cet idéal pour la promotion de l'emploi et du travail décent dans le monde en mutation et aboutir sur les perspectives de reprise forte et soutenue de l'emploi dans notre province. Je reste convaincu qu'avec l'apport de tous, nous allons relever les défis de l'emploi pour une reprise et un développement durable dans notre province. Ainsi, je souhaite bonne fête à tous les travailleurs du Congo central et leur assure de mon accompagnement pour une rémunération équitable et satisfaisante afin de garantir une existence conforme à la dignité humaine. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Congo central, que vive la fête du travail. Je vous remercie. Kalakaka na province ya Congo central, plus précisément na Kamba et Payiwapi sénatrice Nefertiti Gudianza a kende kibongo ko participer na commémoration ya 62e anniversaire ya liwa ya mama Mwilu. Mwilu, oyo azalaki bongo mwasi ya prophète ya papa Simon Kimbangu.
Sénatrice Nefertiti, Oyo Azali dame de fer ya chambre de sage aye baki bongo na ko présenté ba civilité na ye et pa ya chef spirituel ya église papa Simon Kimbangu Kiangana. Na nzela ya masolo na bango aye baki na ko salue présence ya mwana mwasi moko oyo azalaki na melulu yango ya basi ya kimbangiste. Na sima ya ko participer na culte oyo ezo marqué célébration ya liwa ya mama Mwilu Kiawanga. Ezala ki bongo occasion ya sénatrice ya ko témoigner mémoire ya mwasi oyo azala ki bongo modèle ya leadership féminin d'excellence na République démocratique du Congo. Nde na vision yango sénatrice ayebaki na ko invité ba femme congolaise pe basi nyoso en général bazala bongo ba visionnaire po na komema œuvre kimbangiste musika na référence ya défense mama Mwilu. On a biso ba mama ya Congo. Tozali kotala ete lelo mokili mumba batelemi likambo ya badroit ya basi. Lelo mokili mumba batelemi likambo ya emancipation to autonomisation ya basi. Tozali koloba likambo ya génération égalité. Lelo tozo koloba leadership d'excellence. Mais ngai natali ete biso moko tozana ba référence o bazali ba icône. Oto zali kota lokola mama Mwilu le 6 avril 1921 Mexico natangu muke na simatangu papa akangamaki mama atikalaki yemona bana mama mutasengi sangisa kilingomba mama muta organiza kilingomba mama mutazali mutali boso ya kupesa ba carte ya ba membre na ba kilingomba ozomona ke musala wana ya sala soka organiza ngote peut-être lingomba mbele telemi boite. Donc biso ba mama ya Congo esengi na biso totala pe mama Mwilu lokola référence ya leadership d'excellence lelo tozolo belango mais 100 ans après ezalaki na mama oya telemaka oyo pe asalaka musala lelo tozomona lingomba etelemi ndenge telemi. Elia Congo Central na chambre haute ya parlement a lobi lisusu mama Mwilu azo représenté bongo image ya femme vertueuse leader pe courageuse pe a lobi na basi ya monde ke leadership féminin e bandaki bongo depuis 1921 na parition ya illustre pre personnalité oyo a poursuivi ki bongo mosala ya mobali na ye na clandestinité pona kosuki sa pe kosili sa séjour na ye na kamba Nouvelle Jérusalem sénatrice a profité ki bongo na ko visité musée ya Simon Kimbangu oyo eutaki kozala inauguré e pa ya chef de l'état. Sénatrice ayebaki na komi kotisa na histoire pe parcours ya œuvre spirituelle ya papa Simon Kimbangu oyo alukaki indépendance po na mutu mwindu. Totika la kaka na kamba bandeko likambo ya kokamwa edingwe obo yebaki bazalaki kobenga moto na ngenge ayeko tika bakisi na ye epa ya chef spirituel na kamba. Oyo bozali komona ezali je ya kamera te ezali penza akandenge bozali komona mwana mobali oyo abini sakabaninga na ye bakache amesana kobeta edingwe moto na ngenge abongoli motema alobi na atika na nga misala oyo talatina ayaki kokutana na chef spirituel papa Simon Kimbangu Kiangana bona kopesa ye biloko nyoso oyo sale la kayabakisi ta latina population e kamwe pe bandeko ya kamba bazalaki wana bona kotala lolenge edingwe moto na ngenge afukami azali kosenga mawana nzambe na oyo nyonso asala dosie oyo ezali kaka suivre po likolo ya mutu na ye tomoni kaka suki oyo azalaka na yango ezali se kozala ata alongoli suki mutu ya boye soki okutani na ye na nzela ke ba bichebichebe koyi kozanga te kasi biso magazine Radio Top News okolandela kaka masolo edingwa moto na ngenge bona kopesa bino suite totika province ya Congo Central tokende bongo na ville ya Kinshasa pona kolobela arrestation ya Willy Bakonga oyo azali bongo condamné na 3 ans ya servitude pénale. Moi, Ibi!
fédéral près ya cour ya cassation. Na oyo etali blanchissement ya capitaux. Pe koze la procès ya mibale po na détournement de fonds publics oyo ezala ki po na gratuité ya enseignement de base. Na mboka po na mwana na ye azali bongo condamné na 6 mois ya prison po na koréité pe violation ya réglementation na matière ya transport ya mbongo na étranger. Toko senga kaka na gouvernement tope na parquet général près ya cour ya cassation ba continuer ko sala mosala na bango ba misusu oyo botikali boye ba état de droit ezala sima na bino totika ville ya Kinshasa tokende bongo na Beni et pa yuwe pi ba na classe batiama ki bongo na prison mokolo ya jeudi 29 avril 2021. Awa tozali bongo na ville ya Beni et pa iwapi ba élève mineur ba zo réclamé présence ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ville na bango ya Beni po na kosunga bango na likambo oyo etali insécurité. Basi na bango ezali ke na ville na bango a insécurité e koma nango lokola lipa na nguba. Na yango ba bimaki na nzela po na kosenga na chef de l'État akita na Beni. Na sima ya kosala quatre jours kola la libanda liboso ya mairie ya Beni ba yebaki na kozwa soutien ya bana kelasi oyo ya Oisha. Kasi likambo ya pasi pe ya kokamwa ezali ke tango bazo sala marche na bango la police ayaki na kopanza bango pe bakangaki bana misusu. A Beni, les élèves viennent d'être arrêtés en uniforme. Ils viennent d'entrer dans la maison carcérale en uniforme. Des petits enfants que donc nous sommes en train de demander que ces enfants soient relâchés immédiatement. Bisso magazine poissa toko senga kaka na chef de l'État ayeba na kokota likambo yango po dossier oyo eza a suivre na ville ya Beninde to suki si bongo magazine na biso na pesi bongo merci na équipe technique oyo et accompagner kinga mokolo ya lelo wana bongo na moni na sima ya caméra Shira Kolu passa cameraman de guerre na montage zo mi bongo Diana ki sola pe na rédaction et monani bongo nana mie kuntima pe na pesi merci mingi na Radi TV merci vraiment na musala ozo sala na magazine Radi Top News na pesi pe merci na nduzitio na mwasi ya pembe merci na yo la petite Kenzo pe Judith enquête na habite soki o enquête rani nozo enquête nde magazine Radi Top News. Continue banquette na yo. Et wana pena pesi merci ya mounene. Merci vraiment na yeboko. Bosso Emmanuel Djanga. Merci. Mingi na yo vraiment papa. Na moussala oyo pebe fort oyo ozotia na kati ya magazine Radi Top News. Na pesi bino pe ba téléspectateur. Merci na bino bolemba ko landa bisote parce que tozana pona ko informer, former pe ko divertir bino bokozala jamais dessus tokutani lobby. Olingi oyeba makambo ya politique, musique, culture, fait des sociétés, topé sport. Kaka na magazine na bino Radi Top News. Radi Top News, magazine où est copié sa bino d'information. Il y a République démocratique du Congo, paix à Mokilimo. Bana poto, bana Mokilimo bimba. Olingi ozala, informé, formé, topé ozala, diverti. Magazine Esakaka Moko, Radi Top News. Du lundi au samedi, à partir il y a 19h, kaka na chaîne Moko. Magazine Radi Top News. Kaka na chaîne Moko Radi TV. Et pas la boss Emmanuel Dia. Avec vos servantes, Joël Akati et Nana Matondo Mekutu. Radi TV, pour vous informer.